Bonjour, c'est Skurtis, je suis un auteur-compositeur-interprète français et aujourd'hui, c'est dans La Bonne Idée que je vais répondre à toutes vos questions. Alors, je suis né le 20 octobre 2002 à Avignon. J'écoutais du NFX, un petit peu des musiques un peu tous les jours pour varier. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. C'était un duo musical, un peu électro tout ça. Et après ils se sont séparés et malheureusement du coup ça m'a un petit peu mis à un chaos. C'est de la rap, hip-hop, pop, mélancolique et un petit peu... une musique un peu d'été. Je pense que ça aurait été être magicien. Le premier son s'appelle Miroir, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming dès maintenant. Je l'ai fait parce que, on va dire, il y avait beaucoup d'harcèlement, notamment pendant le confinement, et le harcèlement se mettait beaucoup sur les réseaux, et notamment TikTok, la plateforme TikTok. Je pense que tout le monde s'est mis tout le monde. De personnes, on va dire, se croient fort sur les réseaux, alors que dans la vraie vie, on est des personnes simples. Alors, pour mon pseudo, j'ai pris SC de scoliose, voilà, qui m'a beaucoup affecté. J'ai eu une scoliose pendant 3 ans. Et du coup, je me suis dit que ça peut faire partie de moi. Et pour le reste de Tis, Skurtis, je voulais donner un petit côté original. La musique, je l'avais découvert il n'y a pas longtemps et je me suis senti compris. Donc cette passion est maintenant a grandi en moi et la seule et unique passion que j'ai aujourd'hui. Alors j'ai fini un son qui s'appelle Sentiment que vous pouvez retrouver bientôt sur toutes les plateformes de streaming. Là à mon avis il est déjà sorti donc vous pourrez dès maintenant l'écouter. Un son amoureux, voilà, que vous avez une crush et que vous avez envie d'aller lui dire vos sentiments et que vous osez pas trop, vous êtes un petit peu un petit peu timide, voilà. Donc ce son je pense qu'il est fait pour vous si vous êtes de ce type de personne. Croyez en vous, croyez en vos rêves, n'ayez pas peur de montrer vos talents. Dis-moi qui es-tu.